Bonsoir les amis, bienvenue à tout le monde. David Carlos Wen, mon ami et collaborateur, heureux de te voir là. Polycap Nana, on attend tous les autres. Voilà, et puis on va lancer. Montréal, Eddie qui me regarde depuis le Balatou. Le Balatou, c'est une boîte de nuit, je crois, c'est un Guinéen qui vivait naguère à Paris qui l'a fait. C'est une boîte qui a plus de 30 ans d'existence. Alors, si vous connaissez la ville de Montréal, c'est à l'angle du coin Mont-Royal et la rue Saint-Denis. Voilà, on salue l'ami Armando qui nous regarde depuis cet endroit-là. Et puis, vous avez la descente Sainte-Catherine, si vous connaissez Montréal, bien sûr. Alors, celui qui me demande le nom du groupe, le nom de l'artiste, c'est un groupe qui s'appelle La Rodia. Voilà, c'est quelqu'un qui me demande le nom de l'artiste. En fait, c'est un groupe. Je ne veux plus encaisser les douleurs d'amour, oh yeah. J'en ai assez. On salue l'ami Simplice, Sam Simplice, bienvenue, bonsoir RWPX, etc. Marie-Noël Safar, bonsoir, Solange Tendon-Tamba, bonsoir et bienvenue.
Ndoya, ngoma te pharmacie, ngoko luyufu. Baye kashi mpenga penda mnadungwa, inde nuna. Mpere na mamina ni, pato kye mote de. Je m'en fous que je gêne de prendre sur moi. Georgette, maman. Je m'en fous que Georgette compte sur moi. Alors, un peu de traduction pour nos amis qui ne comprennent pas le bamoun. En fait, l'histoire de cette chanson, c'est un artiste qu'on appelait Rochanto. Il est mort au Nigeria, il était natif de Fumban. Alors, si vous connaissez la ville de Fumban, à un moment, il habitait un auberge qu'on appelait Madame Valentin, chez Madame Valentin, quartier de Nkunga. Et c'est une chanson qui remonte aux années 70. Et là-dedans, il raconte une histoire qui, en substance, raconte... il était amoureux d'une fille qui s'appelait Georgette. Et quand il venait la voir, elle lui disait qu'elle était malade. Donc un jour, il s'en va à la pharmacie acheter des médicaments pour elle. Et quand il revient, on lui dit qu'on est venu la chercher en DS. Alors DS, c'était une marque de voiture de Citroën. C'est un peu comme les voitures de luxe de nos jours, etc. Et il dit, voilà, une femme infidèle, à ta mort, tu iras en enfer. Femme infidèle, femme menteuse, à ta mort, tu iras en enfer. La femme qui fait des commérages, etc., ira en enfer, etc., etc. Donc voilà en substance ce que dit cette chanson. On salue l'ami Niamas G, le reporter et journaliste Emile Daria Kamden, qui vit ici à Londres avec nous. On salue également Rodolphe Kambé Ngombisi. Bonsoir. Alors les amis, je pense que nous allons commencer. L'autre jour, je vous ai un peu laissé sur votre faim, et c'était fait à dessein. Je vous ai dit les conditions dans lesquelles le président Ahidjo, à la surprise générale, avait démissionné, après avoir systématiquement éliminé les plus méritants enfants de la République du Cameroun, y compris des gens comme Ossandé Afana, Castor Ossandé Afana, qui est passé à la postérité comme le plus brillant des universitaires camerounais, mort et décapité dans un maquis à l'est là-bas.
Donc je vous disais que on ne pouvait pas comprendre comment quelqu'un qui s'est acharné à conserver le pouvoir par tous les moyens pouvait le lâcher aussi facilement à moins de 60 ans. Parce que quand Aïdjo quitte le pouvoir, il a moins de 60 ans. Mais ce qui est encore qui était encore plus surprenant, c'est la personne qu'il avait choisie comme dauphin constitutionnel, Paul Biya, un quasi inconnu. Certes, il avait fait l'essentiel de sa carrière aux fonctionnaires, parce que Paul Biya n'avait jamais été un homme politique. La preuve, c'est que même quand Aïdjo démissionne, Paul Biya n'est pas membre, il n'a pas sa carte au parti unique. Il faut qu'on le fasse entrer au comité central de l'UNC, en cercle du RDPC, parti unique à l'époque. Donc, on le fait entrer là-bas rapidement, prenant la succession du président Aïdjo, parce que le président de la République devait aussi tenir le parti. Donc, c'est vous dire à quel point l'homme avait un profil effacé. Jacques Foccart dit dans sa mémoire que Paul Biya était un homme de très peu d'envergure, que les gens, les services secrets français disaient, bon voilà, il avait certainement mis à ce poste parce que il était un homme de très peu d'envergure et qu'au moment d'organiser sa succession, il choisirait véritablement quelqu'un d'autre. Et c'est ce que pensaient également les barons du Nord Cameroun qui souhaitaient que le pouvoir fût conservé au Nord par un de leurs. Donc Aïdjo devait d'abord s'employer à convaincre les siens que il était impossible de conserver le pouvoir au Nord, parce que le pouvoir était au Sud. Pour que Aïdjo devienne premier ministre en 58, il fallait dégommer André Marine Bida, qui était un homme du Sud. Donc Aïdjo trouvait qu'il était logique de remettre le pouvoir aux gens du Sud. Donnez-moi une seconde, il y a un bruit que je vais garder rapidement et je vous reviens. Deux secondes. Alors, ça me vient d'où? C'est bon. Alors les amis, c'est quelqu'un qui tapait à la porte, ils ont une fête ici, dit Wali, c'est une fête des Indiens, alors ils donnent des cadeaux aux voisins dans ce test-là. Alors, comme je disais, je salue la combattante Marie-Elvire qui nous rejoint, Julien Bala, Charles Fofak, As Deutschland, Guten Abend, alles klar. Alors, Gisèle Mvondo, bonsoir et bienvenue. Paul Biya, certes, a fait l'essentiel de sa carrière dans les bureaux. C'est un haut fonctionnaire, il n'est pas un homme politique. Il a certes occupé des postes de très haut profil, secrétaire général à la présidence, avait rendu ministre d'État, chargé de mission, premier ministre de 75 à 82. Les Camerounais, ceux de mon âge, le voyaient dans... Il n'y avait pas de télévision, il y avait des calendriers où on voyait des ministres, etc. Personne, pratiquement personne, je parle du grand public, ne connaissait le timbre de sa voix. Donc, certes, on savait que c'était le premier ministre, mais il va jaillir de nulle part pour devenir le président de la République du Cameroun. Les Camerounais, ceux de mon âge en tout cas,
vont découvrir le timbre de sa voix à l'occasion de sa prestation de serment. Mon successeur, disait-il, n'a jamais failli, je n'y faillirai point. Mais avec une voix de demoiselle. Mais nous on le connaissait, c'est-à-dire que comme on voyait tous les ministres dans les calendriers, mais on savait pas, on n'avait jamais entendu le timbre de sa voix. On ne savait pas qu'il parlait comme ça. C'est pour vous dire à quel point l'homme était effacé. Je vais vous montrer une image où, voilà, regardez cette image-là, où il apparaît comme quelqu'un de très docile, cherchant à tout moment de plaire au président Ahidjo. Voilà l'image qu'Ahidjo avait de lui. C'est-à-dire que l'image d'un homme docile, d'un homme qui ne s'intéresse pas aux questions politiques, d'un homme qui n'a pas d'ambition. Ahidjo à sa femme Germaine, qui ne voulait pas du tout Ahidjo, sa préférence allant plutôt à un autre collaborateur très fidèle, homme à tout faire Samuel Eboire. Germaine Ahidjo préférait celui-là, et Ahidjo lui a dit « J'ai choisi Biya parce que il est politiquement vierge. Il n'est l'homme d'aucune région ni d'aucun réseau. » D'ailleurs, quand Biya devient président, ça fait pratiquement 4-5 ans qu'il n'a pas remis les pieds dans son village. Donc, l'impression que Ahidjo a, c'est que Paul Biya n'est l'homme d'aucun réseau, d'aucun groupe de pression, et que voilà, il saura unir les Camerounais, en dehors de toute autre considération, bien sûr. On salue Ngane Niégué, bienvenue. Formidable, Fanilo Lazer et tous les autres. Donc, avec le temps, on s'aperçoit que Biya, c'est un dissimulateur. Ahidjo dit, je le savais faible, mais j'ignorais qu'il était fourbe et hypocrite. Il a bien joué son jeu. Ahidjo est tombé dans le panneau, malgré des avertissements. Parce que Dieu ne vous laisse jamais mourir sans vous faire des signaux. À vous de les écouter. Vous avez vu ce qui s'est passé en Guinée. Alpha Condé a été prévenu à plusieurs reprises, on l'a mis en garde. On lui a dit, ce colonel, il ne s'occupe pas simplement des services spéciaux, c'est quelqu'un qui veut ta place. La veille même encore, lorsqu'il mangeait avec des collaborateurs et membres du parti, on l'a mis en garde. Il n'a pas écouté. On l'a enlevé. C'était la même chose pour Ahidjo. Sa femme lui avait dit, méfie-toi. Parce que Biya, c'est très beau pour être vrai, quelqu'un qui ne dit jamais rien. On lui prend sa femme, il ne dit rien. Ses collaborateurs ne le respectent pas. Fauchivet le dit dans ses mémoires. Quand il organisait une réunion en tant que chef de gouvernement, parce que le premier ministre, c'est quand même le patron des ministres. Quand il organisait une réunion interministérielle, c'est là où beaucoup de ministres qui le regardaient de haut trouvaient le moyen d'aller en mission, ostensiblement. Et Fauchivet avait rapporté ça à Ahidjo. Et Ahidjo lui avait dit, quand vous ne respectez pas l'envoyé du maître, le jour où cet envoyé deviendra maître, il vous écrasera. Et c'est ce que Biya va faire, parce que Biya, c'est quelqu'un qui a de la mémoire, mais c'est quelqu'un qui est très rancunier, comme tous les gens qui possèdent de la mémoire. Quand il arrive aux affaires, une des premières décisions, ça sera d'écarter Samuel Vondo ici, qu'il avait giflé dans le bureau d'Ahidjo en 75. Les deux hommes, je vous ai dit, avaient failli en venir aux mains. Il va chercher à humilier Samuel Eboire, qui tenait responsable de pas mal de vexations dont il avait été l'objet. Mais à tort, parce que Paul Biya lui-même avait été secrétaire général de la présidence pendant très longtemps. Excusez-moi si de temps en temps je fais des lapsus en parlant de l'Élysée au lieu de la présidence du Cameroun, parce que voilà, les deux choses s'entremêlent dans ma mémoire. Donc, si j'ai dit Élysée parlant du Cameroun, comprenez que c'est un lapsus. Donc, au moment où Biya était lui-même secrétaire général de la présidence, quand le poste de premier ministre avait été supprimé, dont le secrétaire général de la présidence c'était le collaborateur le plus proche du président de la République. Il avait donc, quand on venait faire, on voulait faire passer une proposition au président de la République, ça passait par le bureau du secrétaire général de la présidence, ça passait par le secrétaire général de la présidence qui regardait
si ce papier, ce projet méritait l'attention du chef de l'État, s'il fallait revoir la copie, etc. Donc, Biya connaît la pratique. Mais lorsqu'il devient Premier ministre en 1975, il sert de son poste à Samuel Desbois. Samuel Desbois est secrétaire général de la présidence et il y applique l'usage. Donc, quand Biya, tout Premier ministre qu'il était, ne pouvait pas envoyer quelque chose directement au président de la République. Quand il y avait un dossier, ça transite par le secrétariat général de la présidence. Ce dernier regarde s'il faut reformuler le projet ou alors s'il faut le transmettre directement au président de la République. Il y avait des moments quand on transmet ces dossiers, Aïdjo peut annoter, il peut dire « m'en parler » en marge, il peut dire « vu », tout simplement sans rien dire. Alors, Biya prenait ça mal parce qu'il pensait que c'était le zèle de Samuel Desbois. Donc, les deux hommes ne s'entendaient pas. Donc, du coup, quand Biya devient président de la République, il va essayer d'écarter Samuel Desbois. Mais Aïdjo a laissé une liste des ministres. Il a dit, voilà, tu vas caser tel à tel endroit, tu vas caser tel autre à tel endroit. Aïdjo voulait qu'on case Samuel Desbois au ministère de l'Agriculture. Alors, Paul Biya voulait confier ce ministère à son homme à lui, qui était Tony Mbok, Félix Tony Mbok, l'homme auquel nous devons l'appellation de lions indomptables du Cameroun, qui était un ami, un inconditionnel de Biya. Mais bon, Biya était obligé de respecter les consignes que lui avait donné Aïdjo, parce que les deux hommes s'entendaient encore. Je vous ai souvent dit ici que lorsque Aïdjo démissionne, il est à Garoua la plupart du temps. Quand il y a un remaniement, en tout cas les deux premiers remaniements, il part de Garoua, il vient à mi-chemin en Gandéré rencontrer Biya. Les deux hommes forment le gouvernement ensemble. À un moment même, Biya va, Aïdjo va demander qu'on enlève deux ministres, notamment Pierre-Désiré Ngo, qui s'occupait de l'économie et du plan, et Jean-Charles Ndoumba. Jean-Charles Ndoumba, qui avait été conseiller à la présidence, je crois, qui s'occupait des questions de justice. Ce sont les deux qui ont commencé à pousser Biya, à lui dire, écoute, il faut pas accepter des humiliations d'Aïdjo. Parce que, rappelez-vous, nous sommes dans le contexte du parti unique. Donc, quand il y a des réunions où doivent être présents le président de la République et le président du parti, parce qu'en fait, quand il y a une réunion au sommet concernant le parti, Aïdjo a démissionné, certes, de la présidence de la République, mais il a conservé la présidence nationale du parti, parti unique à l'époque. Et le vice-président du parti est Paul Biya, mais qui est aussi président de la République. Et quand il y avait une réunion nécessitant la présence de deux hommes, Aïdjo faisait attendre Biya souvent une demi-heure. Il y a des images. Biya attendait. Et Aïdjo venait 30 minutes de retard. Alors, ses amis, Pierre-Désiré Yango, avec qui il va finir par se fâcher, il va le mettre en prison 15 ans. Ses amis comme Pierre-Désiré Yango, disais-je, Jean-Charles Ndoumba, qui était de l'Est, et puis des gens comme Joseph Owona, vont le pousser au conflit. On va lui dire, mais Paul, tu ne peux pas accepter ça. C'est toi le président de la République. Si le Cameroun avait le multipartisme, l'UNC ne serait qu'un parti parmi tant d'autres. Donc, on ne peut pas faire attendre le président de la République. Il faut que tu prennes ton autonomie, ton indépendance. Parce que jusqu'à là, Biya ne bronchait pas. Donc, au courant de ça, lors du troisième remaniement, Aïdjo va exiger qu'on enlève Pierre-Désiré Yango du gouvernement et qu'on enlève Jean-Charles Ndoumba. Biya va s'exécuter. Mais je brûle un peu les étapes. Quand Biya devient président, lui, dans sa tête, il pense que c'est son étoile. Parce que Biya croit aux astres, il croit aux étoiles, il croit en Dieu, certes. Quand je dis Dieu, c'est plutôt la pratique catholique. Mais il croit aussi au secte ésotérique. Il s'est dit qu'il a un destin particulier, qu'il tient le pouvoir de Dieu et non d'Aïdjo.
Et voilà. Donc, quand vous allez voir Biya pour un projet, souvent, il n'a pas le temps de vous rencontrer. Même s'il vous rencontre, il ne vous parle pas de ça. Si vous vous intéressez aux, vous vous intéressez aux questions ésotériques, il peut passer 2 heures à vous parler de ça. Donc, quand il devient donc président, il observe. C'est en cela que Biya est un grand totémiste, parce que, vous savez, le totémisme, c'est la science par l'observation. Il observe, il donne l'impression de ne pas s'intéresser, mais il n'en pense pas moins. Alors, Biya donc observe Aïdjo, parce que Aïdjo croit connaître Biya, mais en fait, il ne le connaît pas. Parce que Biya, c'est un dissimulateur. Biya a laissé un tempo. Il s'est dit, voilà, il y a un moment ou un autre, il va tomber dans mon piège. Et c'est ce qui va se passer. Parce que quand Aïdjo démissionne, il était en France. Il était en France au mois d'octobre. Et c'est à son retour de France qu'il va démissionner. Mais la note lui a été dictée de France. C'est à partir de la France, vraisemblablement, qu'on a fait pression. Il annonce la démission quand le jeudi novembre 1982. Il fait un appel à cette, leur demandant d'accorder sans réserve leur confiance fonctionnelle qui est Paul Biya. Disait-il, et mérite la confiance de tous les Camerounais, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Il dit, en finissant son allocution, j'ai prié Dieu pour qu'il continue à assurer au peuple camerounais la protection et l'aide nécessaire à son développement. Mais les gens ne sont pas convaincus. Il n'a pas, au moment de son allocution, expliqué les véritables raisons. Donc, dans l'opinion publique, la nouvelle fait l'effet du môme, une bombe. Il a juste, avec un peu d'émotion dans la voix, qualifié sa décision de circonstance capitale. Et à Paris, les gens disaient que bon, Aïdjo avait sa décision était influencée par des considérations de santé. Donc, en fin octobre, il était en France. Il a regagné Yaoundé mercredi soir, à l'issue d'un séjour de 6 jours dans sa propriété de Grasse, dans le sud de la France. Et il n'aurait même pas informé ses plus proches collaborateurs. Ce n'est que jeudi, en fin d'après-midi, peu avant son allocution. Il avait rendez-vous le vendredi suivant, c'est-à-dire démission le jeudi. La décision doit prendre effet samedi 6 novembre. Mais vendredi, c'est-à-dire le lendemain de l'annonce de la démission, il n'a pas décommandé l'audience qu'il devait accorder à l'ambassadeur de France. Donc, les gens disaient que la décision d'Aïdjo de démissionner allait créer un vide que personne ne pourrait combler. Mais quand vous remontez en amont, quand il arrive en France où il a passé 6 jours, il voit un médecin, il a des problèmes de vue. Il décide de s'en aller, comme je vous ai expliqué l'autre jour. Mais quand il annonce à ses collaborateurs le jeudi, peu avant son allocution, qu'il a décidé de démissionner, Paul Biya fait partie de ceux qui ont formé une délégation pour venir le supplier. Il y a dedans Paul Biya, Samuel Lebois, il y avait une dame qui avait été ministre, Delphine Changa, Aïssi Vodovitor, qui viennent supplier Aïdjo de revenir sur sa décision. Il évoque des problèmes de santé,
Il leur a dit, attends, mais vous êtes fous. Vous voulez que je me croule un jour en prononçant un discours? Ben, vous ne me voulez pas du bien. Et c'est Paul Biya qui lui dit, allez vous soigner le temps que ça mettra, même une année. Et on évacuera les questions courantes. Il a refusé. Et c'est aussi le même Biya qui suggère à Ijó de conserver la présidence nationale du parti, le parti unique. Mais là, Ijó ne sait pas encore qu'il a été victime d'un complot médical. Il démissionne le 4 novembre. La décision prend effet le 6 novembre, deux jours plus tard. Sa femme est restée en France, dans leur propriété à Grasse. Grasse est dans les environs de la Côte d'Azur. Mougins n'est pas loin. Donc, il part de Yaoundé après la passation des pouvoirs, le 6 pour Garoua. Où il sera accueilli par des jets de pierre, par des nordistes qui ne sont pas contents qu'il ait comme ça facilement cédé le pouvoir à un homme du sud. Ils appellent ça Gadamayo, un homme de l'autre côté de la rive. Et le lendemain, le 7, il s'envole à nouveau pour la France. Mais c'est là où il va profiter pour faire une contre-expertise médicale. Donc, quand il revient au Cameroun, il est décidé à reprendre le pouvoir. Mais il veut reprendre le pouvoir comment? À travers une astuce. Une astuce constitutionnelle. Faisant du parti, donnant la primauté au parti. C'est-à-dire qu'on va inscrire dans la Constitution la primauté du parti unique, dont il est le président national, sur l'État. Et cette réunion, parce que jusque-là, Biya ne bronchait pas, mais cette réunion va avoir lieu au lac. Le lac qui était la résidence de Paul Biya, premier ministre. Et une fois Paul Biya installé à Itudi, cette résidence va revenir au président démissionnaire, dont il est installé au lac. Qui beaucoup plus tard sera la résidence des hautes d'honneur du Cameroun. Mais avant d'en venir là, il va se passer pas mal de choses. En juin, je crois 1983, Yannick Noah remporte les internationaux de France de tennis, Roland Garros. Et Mitterrand, qui est au courant que Yannick Noah est des pères camerounais, décide de venir au Cameroun, répondre à la visite que lui a lancée Paul Biya, alors que Ijó lui avait lancé, envoyé une invitation un an auparavant. Mitterrand a été élu au mois de mai 1981, le président camerounais l'avait invité au Cameroun et il n'avait pas répondu favorablement à cette invitation. Mais il viendra voir Paul Biya et il vient avec Yannick Noah. C'est par ces coups de canon que j'ai enregistré pour vous. C'est par ces coups de canon que les Camerounais se réveillent au matin du 6 avril 1984. Ce que vous venez d'entendre là, c'est des coups de canon que j'ai enregistrés. C'est un extrait de ce qui s'est passé le 6 avril au matin 1984. Alors moi, ouvrant mon poste de transitol à l'époque,
RFI, Radio France Internationale, j'entends la dépêche de RFI. Les coups de canon auront retenti très tôt ce matin à Yaoundé. Les opérations seraient menées par un certain colonel Salé, le patron de la garde républicaine et garde présidentielle, etc. Les putschistes en veulent la Paul Biya, etc. Blablabla. Voilà, voilà comment on ouvre la dépêche. Mais sauf que c'est pas vrai. Le colonel Salé, la garde présidentielle, n'avait absolument rien à voir avec ça. C'était des jeunes officiers du Nord qui avaient déjà tenté de faire un coup d'État en 75, de jouer par Fauchivé, comme le raconte dans sa mémoire. Mais pourquoi en est-on arrivé là? La rupture, quand Mitterrand arrive au Cameroun en juin, au lendemain de la victoire de Yannick Noah aux internationaux de tennis de France Roland-Garros, ils sont à Yaoundé, mais les nordistes ont prévu, les officiers du Nord ont prévu un coup d'État. Aïe Diyo Kanté démissionne, il part sans partir. Au mois de novembre 1982, les dignitaires du Nord, comme Moussa Yaya, font des réunions nocturnes parce qu'ils ne veulent pas que le pouvoir quitte le Nord pour le Sud. Au courant, Aïe Diyo va exclure Moussa Yaya du comité central de l'UNC, parti unique, ancêtre du RDPC. On va l'exclure du parti, carrément. Parce que les dignitaires du Nord n'acceptent pas que le pouvoir quitte le Nord pour le Sud. Aïe Diyo va rencontrer des gens comme Ousmane Mey. Ousmane Mey qui était le gouverneur de la province du Nord. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ce que vous appelez le Grand Nord. Il y avait une seule province, c'était la province du Nord. La province, chef-lieu de la province du Nord, c'était Garoua. Ngandéré, qui est aujourd'hui chef-lieu de la province ou de la région de la Damawa, n'était qu'un chef-lieu de département. Pareil pour le département du Diamaré, c'est-à-dire l'extrême nord, ce qu'on appelle aujourd'hui la province de l'extrême nord. C'était des départements. Garoua était le chef-lieu. Le nord, c'était un pays dans le pays. Le gouverneur Ousmane Mey n'était pas comme les autres gouverneurs. C'était une espèce de président bis. Il avait disposé de plusieurs hélicoptères pour se déplacer. Si vous partiez de chez moi dans le Mayo Bagnou à Damawa, vous partez de mon village de Bankim pour Garoua, il vous faut 4-5 jours. C'était notre chef-lieu de province. Alors que mon village est à 100 dans l'ouest. Je suis à 24 heures de route de Bafoussam, chef-lieu de la province de l'ouest. Mais le chef-lieu de ma propre province, ça me mettait 4-5 jours pour arriver à Garoua. Donc, Biya a fait éclater ça en trois, mais pour d'autres raisons. Je parlerai de ça une autre fois. Donc, quand Aïe Diyo démissionne, il fait le tour. À l'époque, le Cameroun avait combien de provinces? Je crois que moins de provinces qu'aujourd'hui. On avait la province du centre-sud. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la province du centre et la province du sud comme vous avez aujourd'hui. Vous aviez la province du centre-sud, capitale Yaoundé. C'est-à-dire que Yaoundé, en dehors d'être capitale la capitale du Cameroun, était aussi la capitale du chef-lieu de, c'était aussi la capitale de, c'était aussi le chef-lieu de la province du centre-sud. Donc vous avez province du centre-sud, capitale Yaoundé, province de l'Est, ce qui n'a pas changé, capitale Bertois, province du littoral, Douala, comme aujourd'hui, nord-ouest, Baminda, sud-ouest, Boya, province de l'Ouest, Bafoussam, province du Nord, Garoua. Voilà. Donc, on avait 7 provinces à l'époque. Quelqu'un me dit que RFI n'existait pas, machin, je vais vous expliquer ça. Donc, je vais vous répondre dans quelques instants. Donc, quand il y a cette démission, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Mais le Camerounais lambda ne comprend rien. Il n'y voit que du feu. Il n'y voit que du feu. Et c'est beaucoup plus tard, quand il y a le push
Andy Andal, en 1900, RFI existe depuis 1975, le 6 janvier. Voilà. Vous me dites qu'en 84, RFI n'existait pas, c'est faux. RFI a été créé le 6 janvier 1975. Peut-être que vous confondez RFI avec France Inter. C'est pas la même chose. Vous avez RFI, Radio France Internationale, et vous avez France Inter. Voilà. Mais les deux sont logés à la maison de la radio qui est à vol d'oiseau. Si vous connaissez Paris, ils sont logés à la maison de la radio et à un vol d'oiseau de Roland Garros. Voilà. Donc il y avait 7 provinces à l'époque. Après, il y en a eu 10. Il va avoir 10. Pourquoi? Parce que Pia va jouer des dissensions. Il va constater que le Nord n'est pas un bloc homogène comme ce que a vendu Aïdjo au Camerounais. Et que là-dedans, ce ne sont pas des peuples, ce ne sont pas les mêmes peuples. Vous avez des chrétiens, vous avez des musulmans, vous avez... vous avez la, comment on dit ça, les musulmans, les animistes, etc. Andy Andal, Africa Number One existe depuis 1981 et c'était une succursale d'Europe numéro 1 à l'époque. Je ne sais pas si ça a changé, etc. Voilà. Je trouve que je faisais déjà un peu de radio à l'époque, donc je connais un peu. Donc, Biya va constater que au Nord, ce n'est pas tout le monde qui aimait Aïdjo. Donc, il va jouer de ces haines-là. Les gens de Garoua n'aiment pas les gens de Ngaoundéré, les gens de Maroua n'aiment pas les gens de Garoua, etc. Donc, il va jouer de cela. Ngaoundéré sera chef-lieu de province de l'Adamawa, c'est une réserve électorale pour lui. Tibati, qui était un chef-lieu d'arrondissement, va devenir chef-lieu de département. Bagneau, qui était chef-lieu du département du Mbam Ndjerem, on va débaptiser. Bagneau sera simplement chef-lieu du département du Mayo Bagneau. Tibati sera chef-lieu du département du Ndjerem. Et autant de bastions électoraux pour Biya, réserve électorale. Et c'est comme ça qu'il va se faire élire, parce qu'il joue sur le nombre de gens. Il voit à Yagoua, il va se faire. Il est citoyen d'honneur de la ville, il paye ses impôts là-bas, etc. Mais avant d'y arriver, donc quand Mitterrand vient au Cameroun avec Yannick Noah, il fait un jour à Yaoundé et Aïdjo s'est retiré au nord, à Garoua. Mais pourquoi est-ce que Aïdjo s'est retiré au nord? Parce qu'il y a eu cette réunion au lac, convoquée au lac, je crois, au 18 juin 1983. Il a convaincu tous les membres du parti, y compris Biya. Mais si Biya venait à cette réunion, on devait donc changer la primauté. On devait inscrire au sein de la Constitution la primauté du parti sur l'État. Donc, c'est par cette astuce institutionnelle que Aïdjo voulait revenir au pouvoir. Informé, Biya ne s'est pas rendu à cette réunion. Il s'est contenté de donner une interview à RFI. Je m'adresse à Andy Attal. Vous voyez que RFI existait déjà. Il a donné une interview à RFI. Là, nous sommes en 83. Pour dire que, voilà, c'est les questions, la constitution du Cameroun, la loi fondamentale, c'est Paul Biya qui parle, prévoit que c'est l'État qui détermine la politique de la nation. Donc, il n'y va pas. Le même jour, il fait un remaniement, il écarte tous les proches d'Aïdjo. Aïdjo va vouloir faire appel à une astuce dont il s'est servi en 1958 pour écarter André Marimbida. Parce que, en fait, je vous ai dit que quand André Marimbida est devenu premier ministre du Cameroun autonome, Cameroun francophone autonome, le 15 mai 1957, c'était un fait... un fait de prince, c'est-à-dire que c'était illégal. Puisque le gouvernement qui a été constitué était l'émanation des élections du 23 décembre 1956 qui ont vu la création de ce qu'on appelait l'Assemblée législative du Cameroun, l'ALCAM.
Alors, s'il fallait suivre l'arithmétique ou la logique électorale, André-Marie Mbida n'aurait jamais dû être premier ministre du Cameroun. Puisque Aïdjo avait obtenu la majorité du scrutin. Il avait eu 31 sièges contre 20 sièges au parti d'André-Marie Mbida, les démocrates camerounais, qui avaient 20 sièges. Aïdjo en avait 11 de plus. Mais c'est parce que Pierre Mesmer fait le rapport au ministre des colonies, Gaston Defferre. Il lui dit, voilà, André-Marie Mbida, c'est un homme à nous. Il a été éduqué comme nous. Il est du Sud. Le Sud, économiquement, est plus viable que le Nord, etc. Aïdjo, il est à moitié analphabète. Il a le certificat d'études. Il a fait un truc qui s'appelait École primaire supérieure de Yaoundé. Il a été coopté. Il n'a jamais gagné une élection. Il a été battu au Nord par un certain Mahoundé, mais nous l'avons pris parce que voilà, c'est un homme à nous. Donc voilà, une sorte de pantin. Donc, c'est comme ça que André-Marie Mbida devient Premier ministre illégalement. Parce que si on se base sur l'arithmétique stricte électorale, ce n'est pas lui qui fait l'affaire. Donc, on met Aïdjo. Mais c'est parce que André-Marie Mbida n'en fait qu'à sa tête. Mais André-Marie Mbida est Premier ministre. Mais compte tenu du poids électoral d'Aïdjo, parce qu'Aïdjo a beaucoup d'élus du Nord, des élus du Nord. Le Nord est vaste. On fait de lui le vice-premier ministre en charge du ministère de l'Intérieur. Donc, quand la France décide de se débarrasser d'André-Marie Mbida, il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour remplacer André-Marie Mbida. Aïdjo a peur, il a une peur bleue d'André-Marie Mbida. Parce qu'André-Marie Mbida, c'est un étonne, fort en gueule, il a des accès de violence, il a l'insulte facile, il a la gifle facile, il bat les blancs, il les expulse, etc. Donc, Aïdjo a peur d'André-Marie Mbida. Donc, Aïdjo est convoqué en France parce qu'il va commencer sa carrière à l'ARCAM. D'abord, l'Union française, il a milité au sein du BDC, Bloc démocratique camerounais, le parti de Louis-Paul Odjoula, qui a vu le jour en 1951, si mes souvenirs sont exacts, pour contrer l'UPC, parce que c'est un parti anti-indépendantiste. Vous allez voir tous les pantins en France-Afrique ont milité dans ce truc. Vous aviez la version camerounaise qui s'appelle le BDC, Bloc démocratique camerounais. Mais vous aviez son alter ego au Sénégal qui s'appelle le BDS, Bloc démocratique sénégalais, au sein duquel militaient des gens comme Senghor, Abdou Diouf, etc. Donc, Aïdjo donc est convoqué en France, je vous ai dit l'autre jour, comment Louis-Paul Odjoula, sentant que les indépendances étaient inéluctables, il fallait faire une astuce pour contourner cela en nommant des gouverneurs à la peau noire pour remplacer les gouverneurs à la peau blanche et préserver les intérêts de la France. Donc Aïdjo, on le fait venir en France et on le rassure. Jean Ramadier, qui va venir au Cameroun remplacer Pierre Mesmer, lui dit, voilà, écoute, tu t'en fais pas pour André-Marie Mbida, tu fais ci et nous te protégeons. Parce que la France veut débarquer André-Marie Mbida. La France a constaté que l'UPC, malgré son interdiction le 13 juillet 1955, a gagné le combat des idées. L'UPC n'a eu quoi que 7 ans d'existence, créé 10 avril 1948, dissoute le 13 juillet 1955 par le gouvernement des Garfort, n'a pas eu plus de 7 ans d'existence légale. Mais l'UPC a gagné le combat des idées. L'UPC n'est plus là, mais ses idées ont gagné le cœur des Camerounais. Donc, on ne peut pas combattre les idées de l'UPC. Donc, on va faire l'UPC, on va appliquer le programme de l'UPC sans l'UPC. On va donner les dépendances à ceux qui le réclamaient le moins ou qui ne réclamaient pas du tout. Donc, on fait venir Aïdjo, on lui dit, écoute, on a expliqué à André-Marie Mbida, mais on va lui donner une deuxième chance. S'il ne veut pas, on va le débarquer, mais avec votre aide. Parce que, pour parler français, le gouvernement auquel appartient Amadou Aïdjo, c'est un gouvernement de coalition. Parce que André-Marie Mbida, lui tout seul, ne détient que 20 sièges au Parlement. Il a fait alliance avec Aïdjo, qui en a 31. Mathias Ndiomessi, du parti Les Paysans de l'Ouest, qui détient 9 sièges. Et puis, le parti de Sopo Priso, allié à Charles Assalé, qui détient 8 sièges. Donc, c'est un parti, c'est une coalition. Donc, il suffit que un des membres s'en aille et Aïdjo lui seul détient 31 sièges. Donc, s'il s'en va, le gouvernement va tomber. Donc, on le fait venir à Paris pour ça.
on lui donne des garanties, etc. Le nouveau gouverneur va arriver au Cameroun, Jean-Marc Ramadier, à ne pas confondre avec Paul Ramadier, qui est son père, qui lui, il a aussi été à la SFIO. La SFIO, c'est la section française de l'International Socialiste, c'est-à-dire l'ancêtre du Parti Socialiste. Il a été, son père, lui, Paul Ramadier, a été le président du Conseil des ministres. Alors, qu'est-ce que ça signifie sous la 4e République, on avait le président de la République, mais c'est un président qui inaugurait les chrysanthèmes, comme la reine d'Angleterre. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de pouvoir exécutif. C'est comme le président de l'Allemagne, il n'a aucun pouvoir. Le pouvoir exécutif, la réalité du pouvoir exécutif se trouve chez le chancelier. Donc en France, c'était pareil, jusqu'à l'arrivée de De Gaulle, avec les institutions de la 5e. Voilà. Mais avant, on avait quelque chose qui s'appelait le président du Conseil des ministres. En réalité, c'est l'équivalent du Premier ministre, mais issu d'une majorité parlementaire. C'est-à-dire que si votre parti a le plus grand nombre de sièges, c'est vous qui formez le gouvernement. Comme ce qui se passe en Italie, par exemple. Mais comme la plupart de ce gouvernement sortait d'un système électoral appelé la proportionnelle, c'est-à-dire que la proportionnelle a le mérite de la justice électorale. C'est-à-dire que les voix sont proportionnelles à la représentation des partis, contre ce qu'on appelle le scrutin majoritaire. Mais je vous parlerai de ça une autre fois. Mais ce système, même s'il est équitable en termes de représentation effective, politiquement, ça produit des gouvernements instables. Vous aviez des gouvernements qui duraient 3 jours et on les balayait. Vous aviez le gouvernement de Pierre Mendès France qui a envoyé au Cameroun Roland Pré pour venir régler un problème. Mais il a été balayé, parce qu'au moment où il le fait, la guerre d'Algérie commence en 1er novembre 1954, et à peine l'autre arrive au Cameroun, on l'a déjà balayé du fait de cette instabilité des institutions issues du scrutin dit proportionnel. Donc Paul Ramadier, le père de Jean, a été le Premier ministre, appelé président du Conseil, etc. On va avoir Edgar Faure, qui lui aussi a été président du Conseil des ministres. Mais c'est lui qui signe le décret abrogeant ou alors dissolvant l'UPC. Donc Jean Ramadier vient au Cameroun. C'est un administrateur colonial. Il a fait une école coloniale en France où Abdou Diouf est passé, Pierre Mesmer aussi. Quand Pierre Mesmer observe ce qui se passe au Cameroun, il arrive en France et lui dit, écoute Jean, parlant à Jean Ramadier, il faut qu'on envoie au Cameroun un joueur de rugby, quelqu'un qui aille faire la casse. Et donc, celui-ci s'entend avec Aïdjo. Il dit à Aïdjo, écoute, on va essayer de lui donner une dernière chance à André-Marie Mida. S'il n'en fait qu'à sa tête, on va l'éliminer et voilà ce que toi tu vas faire. Voilà ta partition. T'en fais pas, on va te protéger. Lui, il vient au Cameroun, Jean Ramadier, il arrive au Cameroun le 3 février 1958. Le lendemain, il rencontre longuement André-Marie Mida pendant plus de 3 heures. Il lui dit, écoute, tu es un brave type. Ce que tu as fait pour la France, on apprécie. Mais il y avait une ancienne légalité qui consistait à garder des colonies. Mais on ne peut plus. Nous avons la pression de nos alliés américains. Donc il y a une nouvelle légalité. Et cette nouvelle légalité consiste à ne pas avoir des colonies, même s'il y a des petits jeux, etc. Donc nous allons donner l'indépendance au Cameroun, mais nous allons la donner à ceux qui ne la réclament pas du tout, ou ceux qui la réclament le moins. Mais pour balayer l'UPC, de l'esprit des Camerounais, nous allons pratiquer la politique de l'UPC sans l'UPC. Leur première revendication sur l'indépendance, on va leur donner l'indépendance. Mais c'est une indépendance nominale. Nous allons signer des accords en amont, c'est-à-dire que rien ne changera. Effectivement, les accords vont être signés. La plupart de ces accords ont été signés entre Aïdjo et Michel Debray en 59, alors que le Cameroun n'est pas indépendant. Ce sont des accords complètement illégaux. D'ailleurs, l'état-major de l'UPC basé à Conakry va sortir un communiqué pour dire que le 1er janvier prochain, le Cameroun bénéficiera d'une indépendance nominale. Cette indépendance, je cite, n'est pas conforme à celle pour laquelle l'UPC s'est toujours battu.
ce peuple, ce semblant d'indépendance sera le carcan par lequel les impérialistes et les colonialistes vont continuer à tenir le Cameroun, et ce peuple va continuer à marcher nu et à mourir de faim dans un pays béni de Dieu. Ça, c'est le communiqué de l'UPC. Parce que l'UPC a vu l'état-major de l'UPC basé à Conakry. Ils sortent un communiqué conjoint. Donc, Ramadi vient au Cameroun, il rencontre André Marimbida. André Marimbida ne veut pas, il en fait qu'à sa tête. Il se déplace à Boumyébel, dans le fief de Oumoubé. Et il dit, cher frère Bassa, etc. Parce que pour lui, l'UPC, c'est des Bassa. Donc, il faut le débarquer. Donc, Aïdjo fait démissionner en bloc tous les élus du Nord. Je vous ai dit qu'il avait détenu 31 sièges à l'Assemblée. Donc, ceux-là vont démissionner en bloc. Le gouvernement d'André Marimbida ne peut pas tenir. André Marimbida s'envole pour la France pour aller chercher du soutien là-bas. Parce que l'acte que fait le gouverneur est illégal. Parce qu'il n'est pas là pour ça. Ce n'est pas son rôle. Il est passé outre. Mais il a trouvé en Aïdjo un complice. La preuve, c'est qu'il va faire 3 semaines au Cameroun. On va le remplacer en France. On va le rappeler, il sera licencié. On va le démettre de ses fonctions. Mais le mal est fait. Donc, je vous parle de ça pour faire le parallèle avec ce qui va se passer en 1983. Donc, Aïdjo, qui gouvernait par la terreur, a oublié que quand il gouvernait, il n'y avait personne parce qu'on vous mettait en prison, on éliminait les gens étaient en exil. Donc maintenant qu'il faut jouer la stratégie politique, Biya a la réalité du pouvoir, il veut rééditer ce qu'il a fait en 1958. Mais il oublie que les données ont changé. Donc, Biya ne va pas à la réunion du lac, réunion au cours de laquelle on aurait changé la constitution, inscrivant en celle-ci la primauté du parti unique au détriment de l'État. Parce que jusque-là, la constitution du Cameroun disait c'est l'État qui définit, détermine la politique du pays. Aïdjo veut lui donner une autre lecture. Il veut qu'en lieu et place de l'État, ce soit le parti unique à l'époque, qui détermine, comme ça se passe en Chine, la politique du pays. Biya n'y va pas. Au contraire, non seulement Biya donne une interview pour contredire Aïdjo la première fois. Il se sépare la plupart des collaborateurs d'Aïdjo. Aïdjo se retourne et Aïdjo va chez lui au nord. On n'est pas loin du mois du Ramadan. Mitterrand est venu au Cameroun et s'est rendu à l'Assemblée nationale. Il a dit à Biya, nous sommes à l'aise avec vous. Mais pendant que Mitterrand arrive au Cameroun, les nordistes, les officiers du Nord, ont prévu de faire un coup d'État. Mais les services secrets français sont au courant. Mitterrand donne ordre de déjouer le coup d'État. Parce qu'il faut bien comprendre la dualité des intérêts chez les Français. Aïdjo, c'est un homme des gaullistes. Ce sont les gaullistes qui l'ont mis au pouvoir, qui l'ont maintenu au pouvoir. Mitterrand, c'est un socialiste. Il est resté à l'opposition face à De Gaulle pendant très très longtemps. Il a écrit un pamphlet qui s'appelle « Le coup d'État permanent » où il met en question les conditions dans lesquelles De Gaulle est revenu au pouvoir. Après la guerre, en 1946, De Gaulle est à la tête d'un gouvernement provisoire où il n'a gagné aucune élection. Mais on dit qu'il a gagné la guerre, donc il est légitime qu'il forme le gouvernement. Donc il forme un gouvernement, etc. Mais il n'a pas de parti politique. Les partis majoritaires en France, c'est les communistes, vous avez un peu des socialistes, mais appelés autrement, vous avez un truc qui s'appelait le MPR, le mouvement populaire, le mouvement radical, quelque chose, qui soutenait De Gaulle. Mais lui n'avait pas de parti. Donc, mis en minorité, à un moment, il démissionne le 20 janvier 1946, et il retourne dans son village à Colombo, les deux églises, parce qu'il s'est dit qu'on va faire appel à lui. La France ne peut pas se passer de De Gaulle. Mais erreur. Il va y rester 12 ans. 12 ans que les choses se font sans lui. Il revient en 58 au motif
et qu'il va régler la question algérienne. Parce qu'on a fait peur aux Français. À Auriol, on lui a dit, si De Gaulle ne revient pas, les paras à Alger vont sauter sur Paris. Donc, il revient comme ça. Donc, Mitterrand écrit dans ce sens pour dire c'est un coup d'État permanent. Il n'a pas de légitimité, ce type. Donc, Aïdjo, c'est un homme de gaulliste. Les services secrets sont traditionnellement tenus par les gaullistes parce que c'est une émanation de la guerre froide. C'est une émanation résiduelle de la guerre froide, la résistance. Parce que lors de la résistance, ce qui est devenu les services secrets, c'est ce qui faisait des actes de sabotage contre la présence allemande. Andy Adal, je vois que vous me regardez pour la première fois. Traditionnellement, ici, nous prenons les questions à la fin. La question que vous me posez ne fait pas partie de mon programme du jour, même si je sais que je vous ai demandé de me la poser en cours de programme. Donc, vous attendez à la fin. Si vous avez des questions à poser, vous me les posez. Vous pouvez les poser là. Vous pouvez appeler par WhatsApp. Je vais vous mettre un numéro tout à l'heure sur lequel vous pouvez appeler si vous voulez appeler de vive voix, ou alors vous continuez à la poser comme vous la posez sous ce format et je répondrai, mais en toute fin de programme. Donc, Aïdjo veut rééditer ce qu'il a fait en 58 en appelant tous les ministres du Nord à démissionner en bloc pour contraindre Biya à lui remettre le pouvoir. Mais Saoudou Daoudou, ceux d'entre vous qui ont mon âge se rappellent de lui, il a été pendant très longtemps le ministre de la Défense. Je crois qu'il avait été remplacé par Mécano Abdoulaye après. Mais à l'époque, c'est Saoudou Daoudou qui allait chez tous les ministres du Nord pour leur dire de ne pas donner la démission. Parce qu'Aïdjo leur avait dit de démissionner en bloc. La même tactique qu'il avait faite contre Mbida. Mais il ne sait pas que les choses ont changé. 1983 n'est pas 1958. Le contexte est complètement différent. Donc c'est Saoudou Daoudou qui va chez chaque ministre leur dire, il y avait des gars comme des jeunes ministres, les gens que Aïdjo n'avait pas nommé ministre, mais que Biya a nommé ministre, des gens comme les Mohamedou Labaran, qui ont dit, mais attends, pendant 24 ans, tu as été président, tu ne m'as jamais nommé, même si nous sommes des nordistes. C'est ce Gadamayo qui m'a nommé. Gadamayo, ça veut dire les sudistes, mais ça, littéralement, ça veut dire les gens de l'autre côté de la rive. Hein? C'est ce Gadamayo qui me nomme ministre. Je n'ai même pas encore acheté ma Mercedes et tu me dis démissionner. Je démissionne pourquoi? Toi, tu étais là, nous sommes du Nord, tu ne nous as pas nommé. Moi, je ne démissionne pas. Des jeunes gens comme les Mohamedou Labaran et beaucoup d'autres ministres, des jeunes ministres du Nord. Que les gens comme le Omar Roussanda, les gens disent, mais attends, c'est quoi ton histoire? Toi, tu as été président 24 ans. On t'a dit de ne pas mettre ce gars à maillot. Tu l'as mis. Et maintenant, tu nous demandes de démissionner. Mais nous, on ne démissionne pas. Donc, Aïdjo se retire chez lui au nord à Garoua. Nous sommes à... Oui, Mécano Abdoulaye, merci à Stéphane Fopessi. Mécano Abdoulaye qui avait remplacé Saoudou Daoudou. Donc, Aïdjo se retire chez lui au nord. Mitterrand arrive. Mitterrand soutient Biya, mais les services secrets français qui sont d'obédience gaulliste soutiennent Aïdjo. Biya va aggraver son cas, mais j'en viens. Aïdjo rentre à Garoua, Biya et Mitterrand vont le voir à Garoua. Ils vont le voir chez lui dans son village à Garoua, etc. Et Mitterrand, après un jour, il repart le lendemain soir. Il demande à Biya de partir aussi. Biya aussi. Biya ne va pas rester à Garoua parce qu'il a peur. Il sait qu'il vient d'échapper à une tentative de putsch. Des officiers du Nord n'eussent été l'aide des Français. Donc, Biya rentre à Yaoundé. Entre-temps, entre-temps, Aïdjo veut se rendre à Nice avec l'avion présidentiel. Biya refuse. Donc, il est obligé de prendre l'avion de la Camer, faire l'escale à Douala et aller à Nice. Il voyage avec 10 tonnes de bagages. 10 tonnes de bagages.
Et Biya refuse qu'il utilise l'avion présidentiel. Donc il prend un avion de ligne de la Camer normale. Dont l'avion qui allait à Paris, traditionnellement, est obligé de faire une escale de plusieurs heures à Nice pour débarquer à Hidjo. Hidjo est parti avec 10 tonnes de bagages. Il a reçu des honneurs militaires à l'aéroport de Douala, etc. Mais il ne sait pas qu'il ne reverra plus jamais son pays. Alors, lorsque Mitterrand arrive au Cameroun, je vous ai dit, les nordistes sont prêts à passer à l'offensive. Mais Kano Abdoulaye, qui est devenu ministre des Forces armées, accuse ouvertement le général Semenge, Pierre Semenge, de préparer un coup d'État. Mais Paul Biya est au courant, depuis le début, de l'activisme de Mekano Abdoulaye. Il ne voulait pas le pouvoir, mais maintenant, il y a pris goût, il ne veut pas le lâcher. Et pour amorcer la bombe, Biya va nommer trois nouveaux généraux. Tato James, Oumarou Djam Yaya et Jean Ganso. Parce qu'au temps d'Aïdjo, il y avait un seul général. C'est un général de brigade qui était Pierre Semenge. Donc Biya va faire diversion en multipliant les sources de sécurité. Donc les gens d'Aïdjo ne s'avouent pas vaincus. Mais quand Biya nomme les trois généraux dont je venais de citer les noms, Mekano Abdoulaye comprend que Biya a compris. Aïdjo est parti. Il pense qu'il est parti pour des vacances, mais il ne reverra plus jamais le Cameroun. Biya prend les mesures nécessaires pour s'approprier le pouvoir. Mais là-dedans, vous avez des gens comme Joseph Ouna et beaucoup de gens du Sud, des va-t-en-guerre, qui poussent Biya à en coudre. Et comme je vous ai dit, Biya va décapiter le Nord. Trois provinces, au lieu d'une seule. Il va éclater ça en trois provinces. Mais les intrigues continuent. Après la tentative du 6 avril 1984, sentant que c'était milieu gaulliste supportait Biya,
Parce que les paras français stationnés à Libreville donnaient l'impression, même Omar Bongo a reçu Biya Ahidjo comme un chef d'État encore en fonction. Biya va se retourner sur les conseils de son ami Mobutu, d'abord vers les Américains. Les Américains vont l'envoyer voir les Israéliens. Et ça ne va pas plaire aux Français. Ça ne va pas du tout plaire aux Français. Et les Français vont chercher à se venger. Quand il prend attache avec les Américains, sur conseil de Mobutu, parce que Mobutu est gardé par les Israéliens, il a sa garde prétorienne appelée la DSP. La DSP qui est entraînée par un officiel israélien qui, à la retraite, il conseille à Biya d'abord de renouer les relations diplomatiques, de renouer les relations diplomatiques avec l'État d'Israël. C'est ce que Biya va faire. Mais les Israéliens vont faire un bémol. Ils vont lui demander à Biya plusieurs conditions. Avant d'en arriver là, je vous parle du sabotage que les Français vont faire à Biya. Ils vont d'abord l'attaquer sous l'angle économique. Après le pot du 6 avril 84, Fauchivé, qui n'avait rien à voir dedans, a été mis à la touche sous la pression des faucons du régime. Alors, Fauchivé connaissait la machine de l'espionnage, des services secrets tant intérieurs qu'extérieurs. Donc, quand Biya fait appel aux Israéliens, les Français ne sont pas contents parce que le Cameroun, c'est la porte d'entrée du golfe de Guinée, c'est le poumon du golfe de Guinée. À l'époque, au Cameroun, il y a 300 succursales françaises et 200 compagnies françaises. Alors, Israël n'attendait que ça. Parce que à partir du Cameroun, vous avez le Tchad. Le Tchad, c'est le tampon entre l'Afrique centrale et l'Afrique du Nord. Le Tchad fait frontière avec la Libye. La Libye qui supporte les mouvements terroristes qui s'attaquent à Israël, qui ont juré la paix d'Israël. L'OLP est hébergé là-bas, le Fatah est hébergé là-bas, le Hezbollah, tout cela, qui jure la perte de l'État d'Israël. Alors quand Biya leur demande, sur proposition de Mobutu, de faire appel, quand Mobutu demande à Biya de faire appel aux Israéliens, les Israéliens, ils n'en croient pas. C'est inespéré. Ils peuvent, à partir de là, infiltrer la République centrafricaine et espionner ce qui se passe en Afrique de l'Est, où tout le monde jure leur perte. Donc, les Français vont se venger. Les Français vont se venger d'abord en attaquant économiquement et en fragilisant les services secrets français. Il y a quelqu'un qui s'appelle Denis Ekani. Denis Ekani, c'est le secrétaire d'État à la sécurité intérieure. Les Français vont l'infiltrer. Il y a un groupe de mercenaires qui transitent par le Cameroun. Ils sont originaires de Sao Tomé et Principe. Ils veulent renverser le pouvoir là-bas et ils passent par le Cameroun. Ils ont été entraînés en Afrique du Sud, mais il faut passer par le Cameroun et ils attendent des cargaisons du Brésil. On va arrêter ces gens à Douala. Denis Ekani va faire venir ses éléments à Yaoundé pour leur demander de retourner à Douala, chercher des photos de ces gens-là. Mais dans le même temps, il y a des Français qui vont arriver à les faire évader. Le président Biya, qui a promis à son homologue de Sao Tomé des principes de lui envoyer les photos des malfrats, est en colère parce que on dit que ceux-ci ont fui. Le président Biya a déjà annoncé à son homologue que voilà, nous avons arrêté des malfrats qui viennent vous faire un coup d'État. On va les envoyer. On lui dit non, ils sont plus là, ils ont fui. Et ça, c'est l'œuvre des Français. Il y a un certain monsieur qui s'occupait de la sécurité, c'est un Français, c'est quelqu'un qui détient la nationalité française, il a des origines indo-pakistanaises,
il va faire fuiter pas mal de capitaux du Cameroun en francs français. Les banques au Cameroun sont exsangues. C'est l'époque où vous avez un compte, vous allez retirer votre argent, la banque ne peut pas vous payer, la banque n'a pas d'argent. Les capitaux ont fui, sont à l'étranger, etc. On les a fait évader et tout, parce que on veut provoquer un soulèvement, on veut provoquer une insurrection. Les Français ne sont pas contents d'avoir été mis à la touche, parce que c'est eux qui s'occupaient de ces questions-là. Et comme les Israéliens sont entrés au Cameroun, leurs alliés traditionnels, les Américains, on a une antenne de la CIA au Cameroun. Le général de Marc Mahon, c'est lui qui s'occupe de ça. On va infiltrer les services secrets camerounais parce que Biya signe sans, contre l'avis de ses propres agents qui lui disent que tu ne peux pas faire fonctionner pareillement les services secrets intérieurs, ce qu'on appelle la DST, calqué sur le modèle français, alors que vous n'avez plus rien à voir avec les Français, et vos services de renseignement extérieurs. C'est facile de les noyauter parce qu'on les dirige de façon conjointe. C'est comme ça qu'il va faire revenir Fauchivé. Donc, le président camerounais est à la merci des Israéliens. Il leur a confié l'essentiel, mais les Français connaissent mieux le Cameroun que les Israéliens. Ils ont au sein de l'appareil d'État des amis personnels. La preuve, ils sont parvenus à noyauter le secrétaire d'État à la sécurité intérieure, M. Denis Ekani. Il y aura même une tentative d'assassinat sur la personne du chef de l'État. C'est Mitterrand qui va déjouer ça. Parce que, encore une fois, Mitterrand est socialiste. Les services secrets sont d'obédience gaulliste. Ils n'ont pas toujours les mêmes intérêts avec l'occupant de l'Élysée. Donc, ça démarre mal. Mais à partir de 1984, à la suite de la tentative avortée du putsch, Biya va procéder à un changement de priorité. Sa priorité sera la préservation de son pouvoir, la sécurité des siens, et tout le reste, il s'en fout. L'enthousiasme des premiers jours a été douché. Il va constater, même parmi les siens, des défections, des trahisons. Et il va se rappeler de Thomas Hobbes, le philosophe britannique, qui dit que l'être humain est un être égocentrique, qu'on ne peut pas le changer. On peut le contrôler parce qu'il tient à la vie. Comme il tient à la vie, il a peur qu'on lui ôte la vie. Donc il faut jouer de ça pour le faire entrer dans les rangs. Biya, c'est un grand lecteur de Machiavel, le prince. Nicolas Machiavel qui a écrit ce petit précepte, fascicule, à l'intention du roi de Florence, où il lui dit « Est-ce qu'il vaut mieux être aimé et respecté que d'être craint et respecté ?» La deuxième hypothèse est la plus vraisemblable. Il faut se faire craindre. Et quand on est craint, on est aussi respecté. Et Thomas Hobbes dit, voilà, l'homme a peur de la mort. Alors il faut jouer de cette peur pour le gouverner. Machiavel dit, l'homme est un être vicieux, il aime le vice, il aime le jeu, il aime les femmes, il aime la drogue, l'alcool, etc. On va s'appuyer sur ses vices pour le gouverner. Et Biya, il va en jouer. Jacques Foccart dit dans ses mémoires que Paul Biya se maintient au pouvoir en sémant la zizanie parmi les opposants. Il a vu que ses propres ministres étaient des gens cupides.
On va s'appuyer sur le vice pour les gouverner. Vous aimez l'argent, on va vous donner de l'argent. Mais vous ne touchez pas au pouvoir. L'argent qu'on vous donne, on peut en jouer contre vous pour vous mettre en prison. Des gens comme les Marafa, etc. Prenez tout l'argent que vous voulez. Du moment où vous ne vous attaquez pas à mon pouvoir, je n'attenterai pas votre vie. Machiavel dit que ton serviteur doit avoir son intérêt, doit être le tien. Mais s'il a à cœur son propre intérêt avant les questions de l'État, il faut te débarrasser de lui. Et c'est ce que fait Paul Biya, parce que Paul Biya, depuis le début, il connaît son dauphin. Mais il ne le dit pas. Ce n'est pas la Constitution. La Constitution dit, en cas de vacance de pouvoir, le président du Sénat va assurer l'intérim et tout cela. Mais la même Constitution stipule que le président du Sénat ne peut pas être candidat à cette élection. Il ne peut pas changer le gouvernement. Il ne peut pas modifier la Constitution. Donc, il essaie, il connaît les Camerounais. Vous avez vu des images hier, le sultan, le nouveau sultan, le 20e de la dynastie Bamounche, des Charléens, recevant Franck Biya. Mais tous les Camerounais, tout de suite, ont dit « Oh, c'est Ferdinand Gongo, etc. » Et c'est là où Biya est très fort, parce que c'est un dissimulateur. C'est-à-dire, il pointe le doigt là-bas, vous regardez là-bas, mais lui, il va à gauche. Parce que depuis, quand vous lisez les interventions des Camerounais, non, c'est Ngongo, il est déjà président, mais pas du tout. C'est que vous ne connaissez pas Paul Biya. C'est un dissimulateur. Parce que quand on est machiavélique, on est dissimulateur. Mais quand l'ennemi, l'adversaire, connaît d'avance vos stratégies de guerre, vous êtes vulnérable. Et c'est ce qu'il a fait à Ayo. Du début jusqu'à la fin, on a envie de dire bravo l'artiste. Parce que Aïdjo, je vous montre le cliché, je vous remonte ça. Vous voyez quand Aïdjo le regarde. Regardez comment il sourit. Mais il ne le pense pas vraiment. Aïdjo est en train de le scruter. Mais il ne le pense pas. Il ne pense pas que Biya soit capable de faire un truc. À l'époque, c'est Ayan Luc qui assurait l'intérim de la primature. Sadou Ayatou, le fils du Lamido de Garoua, tous ces gens-là, Biya les sort comme des jokers pour diviser des nordistes. Et on apprend plus tard que deux individus, les proches d'Aïdjo ont été arrêtés. Un certain Étienne Ronlon, garde Biya, qui s'est opposé à un projet macabre du capitaine Salatou, etc. Alors, était-ce un vrai complot? Était-ce quelque chose d'imaginaire? Tenez, je vous ai parlé de William Etekin l'autre jour, et je vous ai promis qu'aujourd'hui, j'allais vous expliquer la suite. En 1987, William Etekin Boumoua, ancien secrétaire général de l'OEA, qui était ministre des Affaires étrangères, est débarqué. Biya dit qu'il a commis une faute grave. Mais au début de cette histoire, c'est quoi? C'est l'ambassade du Cameroun à Paris qui reçoit la visite d'un conseiller de l'ambassade de Hongrie à Paris. Ce dernier dit l'intention de son pays de nouer les relations diplomatiques avec le Cameroun. L'ambassadeur du Cameroun à Paris envoie un message dans lequel un télégramme, il envoie un télégramme à la présidence de la République dans lequel il rend compte de la visite que l'ambassade du Cameroun à Paris a reçue de la part de leur homologue hongrois. Salut William Yako, bienvenue. Salut Guy Bertrand, Vonquin Domfac. Ils reçoivent cette lettre à l'ambassade, le télégramme. Et c'est là où vous voyez la différence entre Aïdjo et Biya. Parce que Paul Biya, c'est un homme passif. Nul ne sait ce qu'il pense. Il y a des moments où on veut le joindre, personne ne peut le joindre. Donc,
c'est quelque chose d'une très grande importance. Donc, l'ambassade du Cameroun écrit au service du président de la République. On fait état de ce qu'on a reçu, une visite au plus haut niveau de l'ambassade de la Hongrie en France, souhaitant nouer des relations diplomatiques avec le Cameroun. Ce sont les services de la présidence qui envoient copie de cette missive au ministre William Etienne Mbouma, ce qui est tout à fait normal, parce que dans un autre pays, l'ambassade du Cameroun aurait contacté plutôt le ministre des Affaires étrangères, qui est son chef hiérarchique. Et c'est ce dernier qui contacterait la présidence de la République. Mais ils ont contacté la présidence de la République, qui a passé copie de ce télégramme au ministre en charge de ce portefeuille. Donc ce dernier répond et dit, si vous voyez que c'est sérieux, mettez-moi au courant. L'ambassade dit, oui, ces gens viennent au Cameroun, donc à vous de les recevoir, etc. Et donc, il écrit à la présidence, il dit, voilà, effectivement, j'ai pris attache avec eux. Ils viennent au Cameroun pour qu'on en parle. On va faire des réservations d'hôtels pour eux, et puis on viendra à la présidence. Paul Biya ne répond pas. Le ministre se dit, voilà, peut-être que le président approuve. Et puis l'initiative n'est pas du ministre. Je viens de vous expliquer que ce sont les gens de la présidence de la République qui lui passent copie de ce télégramme. Ils ont été contactés par l'ambassade du Cameroun à Paris. Jusqu'à là, William Etienne Mbouma n'a rien à voir dans cette histoire. Mais il suit la procédure normale. Le président ne répond pas. Ces gens arrivent au Cameroun. C'est le jour qu'ils arrivent au Cameroun que la présidence de la République sort un communiqué pour dire que le ministre a été limogé pour faute grave. Mais à quel niveau a-t-il commis le moindre impair? La vérité est ailleurs. La vérité ailleurs, c'est que Paul Biya était jaloux de William Etienne Mbouma. Parce que William Etienne Mbouma, c'est un nom charismatique. Avec un aura international pas possible. Il a été secrétaire général de l'OUA. Mais le problème, c'est que Biya a des complexes. Parce que ce type, c'est son premier patron. Quand Biya revient de France en 1962, muni d'une lettre de recommandation de Louis-Paul Odjoula, Aïdjo ne connaît pas Paul Biya. Aïdjo l'envoie chez William Etienne Mbouma. Il est directeur de cabinet. William Etienne Mbouma, à l'époque, est ministre de l'Éducation nationale. Et William Etienne Mbouma n'a de cesse de se plaindre. Aïdjo, il lui dit, mais tu m'as envoyé ce type, mais il ne suit pas les dossiers. Il ne suit pas les dossiers, il me rend les copies tardivement, etc. On ne peut pas travailler comme ça. Donc du coup, je fais mon travail et je fais le sien. Donc c'est comme ça qu'Aïdjo reprend Biya et le nomme chargé des missions à la présidence. Mais donc Biya n'a pas oublié cela. Je vous ai dit que Biya c'était un rancunier. Vous avez vu comment il a enlevé Samuel Aissé-Vaudovitor qui l'avait giflé, comment il va se débarrasser de Samuel Eboué qui lui foutait des complexes au moment où ce dernier était secrétaire général de la présidence, où il renvoyait ses copies. Donc, il va faire la même chose pour William Etienne Mbouma. Mais l'autre raison, c'est quoi? Parce que dans ça, la responsabilité n'est pas simplement imputable à Paul Biya. Il faut avoir l'honnêteté de dire que il agissait sous ordre des Israéliens. Parce que lorsqu'il y a eu la guerre de Kippour, la guerre de six jours opposant Israël et les pays arabes, William Etienne Mbouma était secrétaire général de l'OUA. Donc, tous les pays de l'OUA ont par solidarité avec l'Égypte, qui est un pays africain, membre fondateur de l'OUA, organisation de l'unité africaine, oui, ancêtre de l'Union africaine. Tous les pays africains ont par solidarité à l'Égypte, qui était impliqué dans cette histoire, avec sa casquette de pays arabe, ont rompu leur relation diplomatique avec l'État d'Israël. Mais qui coordonnait ce mouvement? C'était William Etienne Mbouma. Pas de son fait, mais parce qu'il était le patron de l'organisation. Donc les Israéliens ne lui ont pas pardonné ça. Les Israéliens disent à Biya, très bien,
Tu veux qu'on s'occupe de ta sécurité, mais on ne peut pas travailler tant que tu as ces types qui s'occupent de ta diplomatie. Parce qu'en retour, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que chaque fois que il y a une résolution à voter aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, que le Cameroun, à défaut de voter avec l'État d'Israël, s'abstienne. C'est-à-dire que quand il y a plusieurs résolutions où on a condamné l'État d'Israël par rapport à son traitement des Palestiniens. Donc, soit le Cameroun vote en faveur d'Israël, soit au moment de vote, l'ambassadeur du Cameroun va aux toilettes. Mais on ne peut pas le faire avec un type comme ça à la tête de votre diplomatie. Donc, le préalable, c'est de se débarrasser de lui. Donc, voilà le piège dans lequel va tomber William Etekimboumoi. Biya va l'accuser de fautes graves, alors que cette initiative n'est pas de lui. Les gens se sont même demandé si ce ne sont pas les gens de l'ambassade du Cameroun à Paris qui ont convoqué ceux de l'ambassade de Hongrie pour tendre le piège à William Etekimboumoi et puis de l'éliminer de la sorte. Donc voilà les conditions dans lesquelles il a été limogé. C'est à cause de ces limogeages que lorsque Paul Biya donne une interview à Eresinje, à l'époque c'était pas encore la CRTV, c'était la Cameroun Télévision, quelque chose comme ça. C'est l'époque où Biya donnait encore des interviews aux journalistes camerounais. Et Eresinje lui a demandé, mais quelle forte grave, etc. Biya lui a dit, écoute, les fonctions, comme fonction de ministre, ce sont les fonctions où, par vocation, on peut vous enlever sans explication. Donc, si je cligne de la tête, vous, Eresinje, vous n'êtes plus rédacteur en chef de la CTV. Voilà. Donc, c'était à cette époque-là. Yeah. I'm tongue-tied, twisted around your finger like a piece of string. I'm winded, chasing after your ghost is real exhausting. I'm in love, but I don't think it's what I thought it was supposed to be. Love story, no cuts and no glory. How did I get so dizzy? Thinking of you, I don't usually get like this. It's something about you I miss. Could it be never had that kiss? Well, I don't usually get like this. Get it like this. Get like this. Reminded of how I met you, tried to catch you falling. Instead, I fell off myself and I just can't stop falling. These wings are gonna flap for me if I keep waiting. Keep waiting. How did I get so dizzy? Thinking of you, I don't usually get like this. Alors, on salue ceux qui nous rejoignent simplement maintenant. On leur dit bienvenue. Vous nous rejoignez un peu tard, mais bon, voilà, on continue. Lorsque Titus Ezoua démissionne, il dit le plus grand, il dit l'entourage de Paul Biya est pourri. C'est un entourage des guêpes. Et le plus grand agitateur des guêpes, c'est Paul Biya lui-même. Parce que Paul Biya n'a pas d'amis définitifs.
Voilà, il n'a pas d'avis définitif. Il a observé à Ijo, il a observé le système et il a décidé de faire tout par le contre-pied. Lorsque Titus Sezoua a été présenté à Paul Biya, il est médecin, il est professeur de médecine, mais il était aussi rosicrucien. C'est l'époque où Paul Biya lui-même était rosicrucien. C'est la sœur du président qui a présenté les deux hommes. Et quand Biya prend le pouvoir, on a du mal à comprendre ce qu'il dit. Je vous ai dit que nous, on ne connaissait pas son thème de voix. Il disait, mon pote de sœur, ça n'a jamais fait. Il parlait comme ça. C'est pas comme vous le connaissez aujourd'hui. Et il est allé en France pour se faire opérer. En Suisse, pareil, on lui a dit non, c'est très, très délicat. Les cordes vocales, si on les rate, on vous touche l'œsophage, c'est la mort. Dans le pire des cas, vous ne mourrez pas, mais la neurotube partira de la bouche sans transition directement dans le ventre. Vous êtes de facto un homme mort. Donc, c'est pas prudent, on peut pas. On lui a dit la même chose en France, on lui a dit la même chose en Suisse. C'est Titus Sezoua qui va l'opérer avec succès. Il va le prendre dans son cercle, il va entrer dans le gouvernement, etc. Mais Titus Sezoua va commettre une faute, c'est-à-dire l'arrogance. L'arrogance, c'est mauvaise conseillère. Étant le chef hiérarchique de Paul Biya au sein de la Rose-Croix, ayant un ascendant sur lui, parce que le tempérament de Paul Biya n'est pas un tempérament de belliqueux. Paul Biya, c'est quelqu'un de fuyant. C'est un dissimulateur. Il poignarde dans le dos. Biya ne dit jamais à un ministre qui se sépare de lui. Pas comme à Ijo, parce qu'à Ijo lui avait dit, écoute, quand tu te sépares d'un ministre, rencontre-le, dis-lui, écoute, tu n'as pas démérité, merci pour ce que tu as fait, je vais te nommer à tel poste, ou bien le pays aura besoin de toi. Invite-le à manger, etc. Mais ne te débarrasse pas d'un ministre et qu'il apprenne ça à la radio. Mais Paul Biya fait exactement le contraire. Titus Sezoua a pris sa disgrâce alors qu'il était en mission en France. Akame Fuman ou bien Fumu, Edouard Akame Fumu, alors qu'il était ministre des Finances, en négociation au Fonds monétaire international, a pris sa discrétion par les Américains, et enfin sa déchéance, sa disgrâce. Donc il ne regarde pas, c'est un félin. Alors si vous connaissez le léopard, il attaque dans le dos. Quand vous vous promenez dans les forêts, etc., il n'attaque pas de face comme le lion. Il vous saute dans le dos. Bien, c'est un félin. Il ne vous attaque jamais de face. Pour faire arrêter Marafa, il ne lui a pas dit en face. Ils se sont vus trois jours plus tôt, à une réception. Il y avait un cocktail. Il a salué Marafa. Il lui a dit, ça va, monsieur le ministre d'État? Marafa a dit oui. Paul Biya l'a regardé longuement et il a tourné le visage. Dès le lendemain, Marafa a été en résidence surveillée. Donc, il attaque dans le dos. Il attaque sa proie dans le dos. Jamais il va dire à un ministre, je veux plus de toi. Martin Béli Gaïbutou, qui l'a servi, il n'a pas pu le regarder dans les yeux pour se séparer de lui. Le pauvre, il est arrivé, on avait changé la serrure de son bureau. Le téléphone de Biya a changé, on ne peut pas le joindre. Donc, Titus Sezoua a commis cette faute en croyant que comme il avait un ascendant, parce que vous connaissez Titus Sezoua, il est des tempéraments très chauds. C'est un Néwondo de Mbankomo. L'homme est un génie, professeur de médecine, etc. C'est un homme de réflexion et de méditation. Donc, il pensait qu'il avait un ascendant sur Biya, etc. Dans la Rose-Croix, il était son chef hiérarchique. C'est l'époque où les gens comme Joseph-Antoine Bell sont devenus des Rosicruciens. Bon. Suivez mon regard. Biya a compris cela, Biya l'a écarté. C'était la même chose avec Joseph Obona.
Jesse Ogbonna, qui avait été secrétaire général de la présidence, qui se croyait plus intelligent que Biya. Biya l'a écarté du jour au lendemain. Il a fait la même chose avec avec Titus Ezoa. Il a enlevé Titus Ezoa du secrétariat général de la présidence pour le ministère de la Santé, ce qui est son corps d'origine. Ça n'a pas plu à l'autre. Il a commis une erreur fatale. Pendant que Biya était en Suisse, un dimanche, il a organisé une conférence de presse au Hilton pour annoncer avec fracas et sa démission et sa candidature à l'élection présidentielle de 1997. Il venait de signer son arrêt de mort. Ça devait le conduire en prison pour au moins 17 ans. C'est là où on a vu le zèle d'Alain Edgar Mbengo, préfet de Yaoundé, auquel absolument rien n'autorisait à cela. Il le met en résidence surveillée. De son propre chef, sans aucun acte de justice. Donc, Paul Biya n'a pas, il n'a pas d'amis définitifs. Son seul ami, c'est lui-même. Il observe. Et au niveau de l'opposition, c'est la même chose. Il prend, vous prenez quelqu'un comme Simon Achidi Achou, qui était déjà très âgé. Biya savait que celui-là n'avait pas d'ambition politique. Mais l'autre mérite, c'était le cousin de John Fondi. Mais ils sont tombeurs aussi, parce que lors d'une primaire du RDPC en 86, c'est lui qui a battu John Fondi. Donc Biya le prend. Mais après, Biya va prendre Peter Mafane Moussongwe, je crois, qui a battu le record des premiers ministres, etc., pour embrouiller les anglophones. Et il fait la même chose dans son camp. Si vous prenez quelqu'un comme Polycarp Ababa, qui a un lien de parenté avec Biya, Biya le prend, Biya lui dit, écoute, après moi, c'est toi. Voilà. Il l'invite à sa table, il lui donne des parts de viande de gibier, de brousse, il lui fait livrer de l'enveloppe, des enveloppes craft d'argent, etc. Mais ne dis pas aux autres que nous voyons, parce qu'ils sont jaloux, ils vont te faire du mal. Voilà. C'est toi, appelle-moi, c'est toi. Mais le problème, c'est que dès que Abba va s'en va, il le fait avec tout le monde, il voit un ministre, il dit, ah ben, vous savez, j'étais avec un tel. Il dit, ah bon? Et celui-là va, et Biya lui dit, ben tu sais, il veut pas qu'on sache, mais bon, à quoi est-ce qu'il joue? Et celui-là va voir Abba, il lui dit, mais attends, tu étais avec le patron. Il dit, mais non, moi jamais. Donc, il vous laisse faire le sale boulot à sa place. Vous vous neutralisez vous-même. C'est la même chose avec l'opposition. Le Cameroun, c'est le seul pays au monde où vous voyez que les soi-disant opposants se tapent dessus. Quand vous voyez Momo Jean de Dieu attaquer le patron du MRC, vous avez l'impression qu'en fait, il est en train d'attaquer l'homme qui est au pouvoir, etc. C'est ça la marque de la main de Paul Biya, la main magique de Paul Biya et celle-là, où les gens de l'opposition font du sale boulot pour lui. Et lui-même, il est peinard, il est en haut, et il survole tout le monde. Un vrai pouvoir nocif. Et c'est dans ça que sont les Camerounais, qui n'ont pas appris. C'est-à-dire que, au lieu de se concentrer contre celui qui a le pouvoir, contre celui qui les tient, parce que bientôt 40 ans, hein, 6 novembre de 1982, 6 novembre 2021, ça fait 39 ans. En 9 ans d'un pouvoir non discontinu. Mais les intrigues sont là. Les gens s'attaquent entre eux au lieu d'aller à l'essentiel. Et Paul Biya, il a compris ça. Il a compris ça et il en joue à merveille. On a envie de dire, s'il s'agissait pas des vies des gens, on a envie de dire, mais bravo l'artiste. Salut. Voyez dans les partis d'opposition au Cameroun, ça s'étire dessus, souvent au sein d'un même parti. On se demande, mais c'est quoi la finalité? Qu'est-ce que vous recherchez? Et quand Biya voit ça, il applaudit. Il appelle les uns par derrière, il donne un peu d'argent, parce qu'il a compris que les Camerounais sont des égoïstes. On donne de l'argent à quelqu'un, voilà. Vous prenez un individu comme Jean-Jacques Ekini, un jour il est opposant, un autre jour il est avec Biya. Biya, il sait que les gens sont dans le besoin. Dès qu'il sent que machin, il sort un peu d'argent, il donne. Et voilà.
Et on est dans ça. 39 ans, bientôt 40 ans. Donc voilà l'héritage d'Aïdjo. Mais Aïdjo lui-même avait mis son pays à la disposition des intérêts français pour son pouvoir personnel à lui. Le projet qu'il avait pour le Cameroun, de faire du Cameroun un grand pays, ça n'a pas marché. Parce que quand il est président, le Cameroun est un pays archaïque, agricole. Quand il quitte, le Cameroun est un pays essentiellement agricole, même s'il a parachevé son point d'autosuffisance alimentaire. Mais on ne développe pas un pays avec ça, même si pour développer un pays, il faut au moins avoir à manger. Il avait un autre projet, c'était l'opération Sahel vert. Tous ces chantiers n'ont pas abouti. Parce que tu ne peux pas développer un pays contre ta propre population. Et la façon dont Aïdjo a été balayé du pouvoir, ça devait servir non pas seulement les Camerounais, mais d'autres pays africains. Parce que quand tu décides de prendre ton pays, ton peuple, et de le mettre à la disposition des intérêts étrangers, tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas gagner. On n'a jamais vu un renégat ayant trahi le peuple qu'il a engendré réussir. Voilà, ceci est valable pour tous les dirigeants, pas seulement au Cameroun, mais un peu partout ailleurs en Afrique. Aïdjo, il fallait le voir à Dakar, il faisait pitié à voir. Ses centres sont à Dakar, jusqu'aujourd'hui. On ne sait pas que sera l'héritage politique, le testament politique de Paul Biya. Parce qu'à l'heure où on vous parle, il y a plus de 200 sociétés, compagnies françaises au Cameroun, plus de 200 autres succursales, où on abat le bois, on fait des choses, mais les Camerounais ne voient rien. On n'a pas un hôpital digne où vous pouvez soigner quelqu'un. Les hôpitaux sont des mouroirs. Nous sommes à près de 70 ans après les indépendances. On est encore au stade archaïque où des gens n'ont pas d'eau, des gens n'ont pas d'électricité, où des gens meurent de faim, parce qu'il faut bien dire qu'on meurt de faim au Cameroun. Parce que l'autosuffisance alimentaire, ce n'est pas manger des bâtons, des manioc tous les jours ou bien le macabo tous les jours. Il faut acheter ces choses-là. Donc, si on ne fait pas attention, parce que Biya, il a tout verrouillé. La dernière fois, on nous a annoncé que les dirigeants de l'opposition s'étaient réunis pour s'entendre sur un code électoral consensuel. Moi, j'avais dit que c'était la poudre aux yeux. Parce que ce n'est pas vous qui menez la danse. Personne ne va accepter de vous donner un bâton afin de le fouetter avec. C'est Biya qui mène la danse. Vous pouvez vous rencontrer tous ces partis-là pour dire que vous faites un code électoral, mais ça, c'est votre problème. Ça n'a pas force de loi. On ne chasse pas un dictateur avec ça. Il y en a qui disent, oh, vous allons arriver au pouvoir pacifiquement. Oui, vous arriverez au pouvoir pacifiquement, mais dans 200 ans. Parce que Biya, il peut mettre son fils, qui est Camerounais. Rien ne le lui interdit. À travers les mécanismes. Vous n'êtes pas plus Camerounais que lui. Il y a un mécanisme légal qu'on met en place. Parce qu'il y a des moments où vous allez me dire, oui, la légalité, ce n'est pas la légitimité. Mais il y a des moments où la légalité devient la légitimité. Les deux se confondent. Il n'y a aucun dictateur, quand vous lisez les histoires des révolutions, qui va vous donner le pouvoir de son propre chef. Ça n'existe pas. Alors, si vous voulez faire le pacifisme, oui, c'est bien. Mais on a Paul Biya qui est en train de faire 40 ans. Peut-être que si Dieu lui donne la santé, il sera là jusqu'en 2025. Et ensuite, son fils prendra le relais pour faire 45 autres années. Vous allez faire quoi? Vous n'aurez que vos yeux à pleurer parce que vous êtes des pacifistes. Quand on est pacifiste, ça veut dire qu'on est passif et on observe. On subit. C'est le pouvoir. Quand vous lisez les interventions des Camerounais sur les réseaux sociaux, ça fait pitié. Ça fait pitié parce que beaucoup d'Africains, pas seulement les Camerounais, la politique, ce n'est pas la morale. La politique ne juge pas de la morale. La politique, gestion de la cité, pour le bien-être de la majorité,
ce n'est pas la morale. La politique ne juge pas de la morale. C'est le rapport de force. Il n'y a pas Dieu dans les histoires de pouvoir. Le pouvoir ne se donne pas. Il ne se partage pas. Donc, mes chers amis, voilà mon ami Eugène qui parle de Foucault, qui a l'origine de la zizanie post-coloniale en Afrique, qui a entraîné la zizanie bien. Tout à fait. Mais simplement, c'est de bonne guerre. Parce que Foucault n'a jamais touché le moindre centime de l'État français. C'était un patriote à sa façon, de son point de vue, de sa perspective. J'aimerais pouvoir faire ça pour mon pays aussi. Lui défend les intérêts de notre pays. À nous de défendre les nôtres. Quand vous entendez les gens dire « Oh, la France va aider », mais la France ne va jamais vous aider, ce n'est pas dans son intérêt. Pourquoi vous voulez que la France vous aide? Moi, on me dit qu'il y a un vaccin qui peut sauver mon fils. Vous avez votre fils qui a la même maladie que le mien, mais il y a un seul vaccin. Mais moi, je ne vais pas laisser mon fils mourir pour sauver le vôtre. Si ce vaccin est chez vous et que je peux le voler pour le donner à mon fils, je le ferai, sans remords. Foucault n'était pas Camerounais, Foucault était français. Il défendait des intérêts français. Quand vous parlez avec des Africains, « Oh, Obama, c'est un traître !» Obama n'est pas... Obama est kényan par son père, mais il est citoyen américain. Il a été élu aux États-Unis pour défendre les intérêts des Américains. Emmanuel Macron a été élu par les Français sur la base d'un programme. Si moi, Emmanuel Macron, vous m'élisez, voilà ce que je vais faire pour augmenter le pouvoir d'achat des Français. Il ne va pas dire aux Français, écoutez, si vous m'élisez, je vais supprimer le franc CFA, tout l'argent que nous avons volé en Afrique, je vais le restituer. Personne n'allait jamais les dire. Dès qu'on élit un président français, il va à Paris. Mais tu n'as pas été élu là-bas, si jamais tu as été élu. J'ai répondu à vos frères Eugène Ngoufor. Donc, c'est ce que nos chefs d'État doivent faire. La France ne va jamais vous aider. Ce n'est pas sa vocation. La France doit s'aider elle-même. Nous, on doit nous aider nous-mêmes. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes contre d'autres peuples. Avant de nourrir le fils du voisin, il faut t'assurer que ton fils a suffisamment mangé, qu'il ne lui manque rien. Mais la France ne peut pas aider. La France n'a jamais aidé personne. Si vous pensez à ça, mais c'est que vous êtes des doux rêveurs. La France n'a pas vocation à vous aider. Avec quoi? Elle va vous aider avec quoi? Quand vous payez, vous avez votre argent au trésor français par le mécanisme de la rétention de nos devises. On retient, par exemple, la Côte d'Ivoire est premier producteur mondial du cacao. Quand la Côte d'Ivoire a ses devises qui sont retenues au trésor français et que le Mali a besoin qu'on lui prête de l'argent, les intérêts dégagés par la Côte d'Ivoire, on les prête au Mali. Mais ce n'est pas la France. Mais la France vous donne l'illusion de vous aider. Quand on prend l'argent du Gabon pour le prêter au Tchad, ou on prend l'argent du Cameroun pour le prêter à la Gambie ou au Sénégal, la France ne vous aide pas du tout. Voilà, commencez par vous aider vous-même. Mais quand on vous dit de vous battre, ceux qui souhaitent se battre, vous parlez du pacifisme, mais ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Tous les Camerounais veulent aller au paradis, mais personne ne veut mourir avant. En dehors de Marie qui s'est envolée, on appelle ça l'Assomption, c'est-à-dire qu'elle est partie de la terre sans transition pour le ciel. Jésus, lui, c'est l'Ascension, mais il est mort avant. Les Camerounais pensent qu'on peut aller au paradis sans mourir. Si vous croyez en ces histoires, il faut mourir avant. On dit que Jésus est venu pour vaincre la mort, c'est-à-dire qu'il a ressuscité des morts. Mais le mécanisme, c'est que vous mourrez avant. Vous avez tous des immeubles. Vous avez des deuxièmes bureaux et tout. Vous voulez le luxe, mais en même temps, vous voulez le changement. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas compatible. C'est l'un ou l'autre. Alors, nous sommes au point des questions. S'il y a des questions, je les prends. Je vais vous mettre le numéro WhatsApp si ça vous intéresse d'appeler. Et voilà. Je mets un peu de musique.
Y a-t-il des questions? S'il y a, on les prend. Si vous les posez là, je les prends aussi. Si vous voulez le faire par WhatsApp, l'antenne est ouverte. Vous pouvez appeler des mails. Voilà. Je pense que c'est bon là. Alors, il y a un Andy qui m'a posé une question en début du programme. S'il est là, il peut reposer sa question. Je la prendrai volontiers. Voilà, voilà une question. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, attendez une seconde. Allô? 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 Allô, vous nous entendez? Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, c'est David Gold depuis Paris. Très bien. Vous êtes à l'antenne et tout le monde vous entend. Oui, voilà, ma question. Tout d'abord, merci toujours pour tout ce que tu fais pour nous. Et voilà. On vous ma question est la suivante. Pendant les guerres des indépendances, on a trop parlé de la Guinée-Conakry. Qu'est-ce qui motivait les gens, n'est-ce pas, à aller s'installer dans ce lieu? C'est toujours à cause de leur président ou bien c'était juste un point de chute? C'est un peu ça ma question. Alors, votre question, c'est pourquoi les gens allaient, les autres Africains allaient s'installer en Guinée-Conakry? C'est ça, j'ai bien compris? Oui. Oui, très bien. Vous aurez pu parler du Ghana aussi. Parce que Sékou Touré et Kwame Nkrumah étaient partisans de ce qu'ils appelaient le projet des États-Unis d'Afrique.
Nkrumah, je vous ai dit l'autre jour, je ne sais pas si vous m'avez suivi, avait dit que l'indépendance, et eux, ils ont obtenu leur indépendance, je crois, le 5 mars 1957. Et il avait dit que l'indépendance du Ghana serait insignifiante sans l'indépendance des autres pays africains. Et même Patrice Lumumba du Congo avait trouvé de l'aide auprès de Sékou Touré. Donc, il y a eu deux raisons pour répondre directement à votre question. Beaucoup d'Africains allaient trouver refuge, notamment les Camerounais. Il y avait beaucoup de Camerounais qui ont occupé les grands postes là-bas, au niveau de la gendarmerie, des imprimeries, des écoles, des universités, de la télévision, etc., et de la pharmacie. Mais la Guinée était exsangue, parce que quand la Guinée a dit non à De Gaulle, on a voulu punir la Guinée pour décourager les autres pays. C'est ce qui s'est passé lorsque la Grande-Bretagne a voté pour le Brexit. Vous avez vu les négociations qui ont subi. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des conséquences parce que il ne faudrait pas montrer aux gens qu'en quittant l'Union européenne, des choses sont faciles. Donc, ils étaient dans la même logique. De Gaulle voulait punir les gens et il fallait pas que ça fasse que le président guinéen inspire les autres. Donc, il fallait que les gens se disent que si vous quittez la France, voilà le sort qui vous sera réservé. Mais les gens sont venus partout des Antilles. Même Myriam Makeba était là-bas. Beaucoup d'Antillais sont venus. Il y a des Camerounais. Je sais pas si vous avez entendu parler de Cap et de Bana, qui sont allés enseigner là-bas volontairement par solidarité africaine. Voilà, d'autres sont allés en exil, ils ont apporté leur savoir-faire, etc. Mais il y en a qui n'avaient pas de problème politique, mais qui sont allés au secours d'un autre pays. Allô? Oui, je t'écoute. Voilà, c'est bon, vous avez une autre question ou bien si vous avez un autre commentaire à faire, on vous écoute. Je laisse d'abord le temps aux autres de formuler. Très bien, très bien. S'il y a autre chose, vous rappelez, on vous remercie. Victor Kek, merci de l'appel. Alors, Victor Kek, ici à Manchester, demande que est-ce que quelqu'un, pour quelqu'un qui veut être un peu dans son pays, oui, Paul Biya est renseigné à cause de la machine de repression. La seule chose qui marche là-bas, je crois qu'on est quelqu'un en train d'essayer de nous joindre. Voilà. Non, c'est Denis qui n'a pas bien. Allô? 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 Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous appelez d'Allemagne, c'est ça? Non, je t'appelle de la Suisse. Ah, très bien. Oui, c'est le cas. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Vous êtes à l'antenne. Moi, j'appelle de la Suisse. Très bien. Alors? Oui, merci déjà pour tout ce que vous faites pour nous informer. Je vous en prie. Je vous suis depuis un moment et j'apprends beaucoup. Merci. Allô? Voilà. Je suis donc le docteur Célestin Lepi. Je vous appelle de la Suisse. Bienvenue, docteur. J'avais une question. Très bien. On ne vous entend pas du tout. Hein. Oui, vous m'entendez bien? Oui, ça va mieux maintenant. Voilà. J'avais une question. Le titre de votre émission ce soir, c'est les mécanismes de longévité du président Biya. Oui. Et donc, ma question, c'était effectivement, est-ce que le fait que le président Aïdjo ait mis sur pied ce mécanisme de transmission du pouvoir à titre volontariste pour perpétuer, on va dire, le système néocolonial, oui, peut à lui seul expliquer la longévité du président Biya, ou alors c'est plutôt le peuple camerounais dans son ensemble
qui n'a pas su développer en lui-même les mécanismes nécessaires pour pouvoir imposer un rapport de force. Excellent. Et permettre justement l'alternance. Excellente question. Excellente question. Alors, on commence par le début, mais je vais vous dire d'emblée un peu des deux. Un peu des deux parce que Ahidjo avait fait quoi, 22 ans, c'est-à-dire qu'il est effectivement devenu président à partir du 5 mars 1960. Mais avant, il a été premier ministre 2 ans, de 58 à 1960, à l'accession à l'indépendance. Il y a aussi le fait qu'il y avait les accords de coopération, la coopération militaire, puisqu'il y avait toujours un conseiller militaire, etc., qui suivait les intérêts de la France au Cameroun. L'autre aspect, c'est que les Camerounais sont des grands travailleurs. Les Camerounais sont des gens entreprenants. Si vous allez dans un pays comme la Côte d'Ivoire, ce n'est que tout récemment qu'on commence à voir des chefs d'entreprise nationaux. Parce que ce qu'Offoy Boigny avait fait en Côte d'Ivoire, il avait favorisé les hommes d'affaires étrangers parce qu'ils ne voulaient pas être confrontés à une concurrence, rivalité locale, etc. Au contraire du Cameroun où tout appartenait aux Camerounais. Donc, il y a des gens qui ont des gens échaudés, des gens de la génération qui précède la nôtre, échaudés par la machine de répression contre l'UPC, parce qu'il y a quand même eu au Cameroun un génocide qui tourne autour d'un million entre le génocide Bassa et le génocide Bamileke. Il y a eu beaucoup de pertes, dont il y a eu des prisons d'exception, cette machine de répression. Donc les gens étaient traumatisés, donc les gens ont donné la priorité à l'éducation de leurs enfants, à leurs affaires personnelles. Donc, quand vous commencez à parler politique, beaucoup de vous disent que la politique ne les intéresse pas. C'est pas parce que la politique ne les intéresse pas, c'est parce qu'ils ont peur des représailles. Si vous prenez les hommes d'affaires Bamileke, Kongel Kam, Soin, Fotso, etc., ce sont des alliés objectifs du pouvoir. Ce sont les grands donateurs du RDPC. La longévité de Biya a plusieurs explications. Il y a la passivité des Camerounais, il y a le fait qu'ils sont perméables au pouvoir de la corruption de l'argent, il y a l'autre fait qui n'est pas à négliger non plus, c'est la complicité de la France qui a des intérêts à préserver. Mais c'est aussi la mauvaise organisation des partis qui tiennent lieu d'opposition, où on privilégie l'intérêt personnel particulier au détriment de l'intérêt général. Il suffit qu'on approche quelqu'un, on lui donne quelques millions, il abandonne le peuple qu'il a suivi jusque-là. Mais c'est aussi ça qui fait que le peuple camerounais dans son ensemble est déçu, parce qu'il s'est dit, voilà, pendant les villes mortes, nous avons perdu nos enfants, on a eu des blessés, on a détruit nos biens, mais vous êtes allé par derrière à la faveur de la tripartite, faire des petits arrangements entre vous, et nous, qui va payer? Donc, c'est un peu cela. Je pense avoir répondu, mais si vous voulez me relancer, je répondrai volontiers. Alors, quelqu'un m'a dit, compte tenu de la conférence, une solution pacifique est donc irréaliste au Cameroun. Oh, solution, c'est Floby de Makango qui me dit... si une politique est dans le réalisme. Non, pas du tout. Vous savez, c'est Offoy Boigny qui disait que quand les gens n'ont pas fait l'économie... Je vais répondre à Flavie de Macron. Allô? 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 Qui est à l'antenne? Allô? Oui, allô, monsieur Dupont. Oui, je vois que vous m'appelez de l'Angleterre. Oui, 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 oui. Voilà, c'est votre nom, c'est comment? C'est Émile. Ah, c'est Émile le combattant? Non, 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 pas Émile le combattant. Très bien. D'accord. On vous accueille avec beaucoup de plaisir, Émile. Vous êtes à l'antenne. Vous avez une question? Oui, ça fait... que je vous suis. Bon, je vous ai suivi
pense c'était vendredi au samedi. Très bien. Et il était que vous devez faire encore une autre live aujourd'hui. C'est cela. Bon, compte tenu du travail, je suis rentré un peu tard. Bon, je me suis connecté un peu tard. Je suis également sur YouTube, hein, c'est-à-dire que si vous me ratez sur Facebook, j'ai une chaîne sur YouTube, vous pouvez revoir tout cela là-bas en différé. Mais on est content de vous entendre. Vous êtes là? Oui, monsieur Dupont. Voilà, alors posez votre question. La question, c'est ceci. J'observe la toile depuis. Au fait, je viens d'une famille UP6 et ma famille a énormément souffert puisque j'en ai perdu des gens dans ma famille. Okay. Par rapport à cette répression. Et voyant ce qui passe à la toile, par exemple avec les gens du MSC et de la base. Oui. Là où j'avais vraiment peur qu'une coalition peut réellement se développer dans ce sens-là, mais je me rends compte un peu que cette guéguerre qui a. Bon, sachant, je sais que on veut parler de l'indépendance du Cameroun, à mon humble avis, je ne peux pas détaper derrière tout cela. La question, c'est ceci. Est-ce que nous ne pouvons pas, en même temps, recruter des gens, entre guillemets, qui feront des écoles de guerre, ou bien des ce qu'on appelle un peu des détectives, ou qui vont permettre de développer une autre idée aux Camerounais qui vont permettre de combattre dans les jours à venir. Parce que tous les jours, on se pose vraiment la question, quelle est la stratégie que nous devons utiliser pour pouvoir pour renverser ce pouvoir. Voilà. C'est tout, vous avez fini? Oui, oui. Très bien, je vous réponds. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites. D'ailleurs, beaucoup m'écrivent en privé pour me poser à peu près la même question. Je ne vais pas vous répondre en public parce que ça fait partie de nos stratégies, etc. Oui. Mais c'est une très bonne idée. C'est une très, très bonne idée. Mais pour cela, il faut être unis. Il faut être unis parce que si les égos l'emportent sur l'intérêt général, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que si mon objectif à moi, c'est que les gens parlent de moi, j'aurai gagné mon combat parce qu'on parlera de moi, mais ça ne règle pas le problème. Donc, il faudrait que les uns et les autres mettent de côté leurs égos et pensent à l'amour du Cameroun, l'amour de notre peuple. Nous, nous sommes en exil, ça fait des années qu'on n'a pas été dans notre pays. Quand on voit qu'il y a des accidents, il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas de soins, on a montré l'image de quelqu'un, un monsieur de 68 ans, enchaîné à même le lit alors qu'il est malade, alors que le Cameroun est signataire de la Convention contre la partie de la torture. Quand on aime son pays, ça fait mal. Voilà. Le problème, c'est qu'il faut qu'on se mette ensemble, que toutes les bonnes volontés se mettent ensemble et une révolution ne se fait pas à 100. Quand vous voyez les révolutions, même vous voyez la Révolution française et tout, c'est un noyau de quelques personnes qui mènent les autres. Mais au-delà d'un certain chiffre, ce n'est pas faisable, ce n'est pas réalisable. Écrivez-moi en privé, c'est une piste de réflexion très intéressante. Voilà. Voilà, écrivez-moi, on va se parler en privé. Une révolution ne se fait pas à 1 million de personnes. C'est-à-dire que c'est souvent 4 personnes, 5 personnes qui regardent dans la même direction, et qui ont les mêmes objectifs, etc. Mais quand vous commencez à faire des stratégies en privé et que des gens viennent balancer ça en public parce qu'ils veulent se faire voir, vous ne pouvez rien faire. Yeah.
Vous pouvez absolument rien faire. Parce que vous parlez de l'UPC, dont j'explique souvent l'histoire. Et je sens, je ne vous connais pas, mais je sens dans votre voix de l'émotion, je sens de l'émotion, je sens la sincérité dans ce que vous me dites. Il y a des jeunes qui m'écrivent du Cameroun. J'ai souvent les larmes aux yeux parce qu'ils le disent dans leur façon de parler, dans leur langue à eux. Et tu sens qu'ils aiment leur pays. Moi, je vous ai au téléphone pour la première fois. Je sens quand même de la sincérité, de l'émotion et du patriotisme. Donc, écrivez-moi en privé. On ne va pas déployer sur la place publique nos stratégies de combat. Vous comprenez de quoi je parle? Voilà. Effectivement. Voilà. Contactez-moi en privé quand vous voulez, soit par Facebook, soit par ce même numéro. On parlera tranquillement en privé. Mais c'est une excellente idée que je retiens. Voilà, je vous en prie. Bonsoir et à plus tard. Continuez à regarder. On attend d'autres appels. Merci à vous. Merci. Alors, appelez. Hein. Tous ceux qui veulent appeler, si vous avez des questions, faites-le. On vous prend. Ou alors, je réponds à des questions qui sont sur le mur ici. C'est Tata Guy qui me salue. À Piagne, Tata Guy. Voilà. Sinon, quelqu'un m'avait posé une question sur le statut, le mandat, etc. Je crois qu'il a disparu. Mais bon, je répondrai une autre fois. Voilà les amis, certainement que je vous verrai mercredi pour un autre direct. Voilà, je vous remercie pour votre disponibilité. Je pense qu'on n'a plus d'appels, on n'a plus de questions. Donc sur ce, les amis, on va peut-être se quitter. Bonsoir. Et merci.